C'est déjà établi par Krishna lui-même. Alors, c'est ça qu'on va dire un peu. Et puis, on va parler une petite histoire sur un roi. Et comme inconsciemment, il avait fait une erreur, mais c'était quoi le résultat? Il avait fait, on appelle, disons, un brahmana prad, offense contre un brahman. Qu'est-ce qui s'est passé? Même inconsciemment, il a fait ça. Alors, on va parler un peu de ça aujourd'hui. C'est une histoire, un passe-temps, un lida de Srimad Bhagavatam. Alors, on va dire simplement Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Arochatu, arochatu, varnyam, manyam, maya, maya, shrishtam, shrishtam, guna, guna, karma, karma, vibhagashah, vibhagashah, tasya, tasya, karataram, karataram, api, api, ma, ma, vidhi, vidhi, akartaram, akartaram, avyayam, avyayam, चातुर्वर्ण्यं मया श्रेष्ठं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारं अपि मां विधिकर्तारं अव्ययम् चातुर्वर्ण्यं मया श्रेष्ठं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारं अपि मां विधिकर्तारं अव्ययम् भगवान् राजेशो मोगुम रिपीट ensemble s'il vous plaît. Chatuvarnyam. Les quatre divisions de la société. Les quatre divisions de la société. Maya. Par moi. Shrishtam. Créé. Guna. De la qualité. Karma. Et du travail. Vibhagashah. En termes de division. Tasya. De cela. Kartaram. Le père. Api. Bien que. Ma. Moi. Vidi. Sache.
Akartaram, Akartaram, comme celui qui n'agit pas, avyayam, inchangeable. Jai Guru Srila Prabhupada ki jai. Dans la traduction que Srila Prabhupada nous explique, j'ai créé les quatre divisions de la société en fonction des trois gunas et des activités qui s'y rattachent. Mais sache que, bien que j'en suis le créateur, je demeure non agissant quand je suis immuable. C'est ce que Krishna explique ici, que ce système de quatre divisions, qu'on parle de Varnashram, quand on dit de Varna, c'est surtout les Brahmanes, les Vaishyas, les Brahmanes, les Kshatriyas, les Vaishyas et les Shudras. Et puis on a les Katashrams. Les Katashrams sont les Brahmacharis. Brahmacharis célibataires. Oui, on a les Grihastas, ceux qui se marient. On a les Vanprastas et Sannyas. Parce que Krishna dit que lui, c'est lui qui a créé ce système. On voit ici en fonction des trois gunas. Parce que les gens sont affectés par les trois gunas. Les trois modes de la nature et des activités qui s'y rattachent. Mais il dit que, mais sache que bien que j'en suis, soit le créateur, il est le créateur, mais je demeure non agissant. Il n'agit pas. Quand je suis immuable. On va lire le teneur porté. Alors, le Seigneur est le créateur de tout ce qui est. Tout naît de lui, tout est maintenu par lui, et après l'annihilation, tout repose en lui. C'est donc lui qui créa les quatre classes de la société, à savoir les Brahmanes, les hommes de haute intelligence, dont la vie est inspirée de la vertu, les Kshatriyas chargés d'administrer la société et influencés, eux, par la passion, les Vaishyas responsables du commerce, qui subissent l'ascendant de la passion et de l'ignorance, et les Shudras, la classe des travailleurs qui, eux, vivent sous l'emprise de l'ignorance. Bien qu'il soit le créateur de ces quatre divisions sociales, Krishna n'appartient à aucune d'elles, car il n'est pas comme l'être humain, une âme conditionnée. La société humaine s'apparente à n'importe quelle société animale, mais afin que l'homme s'élève au-dessus du stade animal et que soit favorisé l'épanouissement systématique de la conscience de Dieu, le Seigneur a institué cette organisation sociale. Le caractère des activités d'un être sont déterminés par les modes d'influence de la nature et seront décrits dans les 18e chapitre. L'homme conscient de Krishna est supérieur au Brahman. Le Brahman est par définition celui qui connaît le Brahman, la vérité absolue et suprême. Mais il n'appréhende le plus souvent que l'aspect impersonnel de Sri Krishna. Le dévot de Vaishnava transcende la connaissance limitée du Brahman et parvient à connaître Krishna, Dieu, la personne suprême, ainsi que ses émanations plénières, Ram, Narasimha, Vara, etc. À l'instar de Dieu, l'être conscient de Krishna transcende ce système de division sociale et toute considération du race, de nation et de communauté. Le Jagat Guru Srila Prabhupada qui? Alors déjà, ici, on voit que Krishna lui explique à Arjuna et lui donne des instructions que c'est lui qui a formé ce système de, qu'on appelle le Varnashram, le système de Varnashram. C'est pour le bon fonctionnement de la société. Mais c'est malheureux qu'on voit à la fois des gens qui sont là, bons à tout faire. Ils essaient de tout faire. Mais d'ailleurs, ce n'est pas conseillable. Et par nature, déjà, que c'est expliqué dans le Skanda Purana que le Kali Yuga, nous sommes tous des Shudras. Kalotat Shudra Sambhava. C'est-à-dire que dans le Kali Yuga, les gens sont tous des Shudras. Mais à travers le miséricorde de Srila Prabhupada, là, Srila Prabhupada a dit que cette institution du Skanda, c'est là où créer des gens qui peuvent changer cette société qui est remplie de choupes. On a besoin des Brahmanes. On a besoin des Kshatriyas et des Vaishyas. Parce que sans la société, on a besoin de tout. Hein? On a besoin de tout pour le bon fonctionnement de la société.
et aussi pour connaître à la fin de notre vie, quand on quitte ce corps, on va chez Krishna. Tout le monde va accéder à Krishna. Alors les gens pensent que devenir Vaishnava, c'est devenir Brahman. Non, c'est pas ça. Le Krishna explique ici. Et le Krishna lui dit que le Brahman est par définition celui qui connaît le Brahman. Il connaît le Brahman, la vérité absolue et suprême. Mais il n'appréhende le plus souvent que l'aspect impersonnel de Krishna. Je pense un peu comme ça. Mais le dévot, le Vaishnava, transcende la connaissance limitée du Brahman et parvient à connaître Krishna, Dieu, la personne suprême, ainsi que ses émanations pleines. Alors, c'est ça que tout le temps, un dévot, lui, il peut être dans n'importe quelle division de la société. Ce n'est pas le fait qu'il devienne un brahman. Il peut être dans la classe de kshatriya, il peut être dans la classe de vaishya, ou même dans la classe de shudra. Mais il peut toujours connaître Krishna. Alors lui, il est Vaishnava. Un Vaishnava est au-delà de cette système. Alors, bien qu'il y a des fois, on dit, d'après les qualités qu'on a, et les gens qui sont un peu plus inclinés vers la vertu, c'est ça qu'ils ont dit, c'est une qualité de Brahman. Et un Brahman, d'ailleurs, lui, il a des services spécifiques qu'il doit faire. Alors, c'est ça qu'on dit, Patan, Patan, Yajan, Yajan, Dan, Patihar. Alors, dedans, c'est quoi que on dit Yajan, Yajan. Commençons par Patan, Patan. Patan, Patan. Il doit être quelqu'un qui lit souvent les scriptures sacrées. Il connaît c'est quoi le Veda, il connaît c'est quoi le Shrimad Bhagavatam, il connaît c'est quoi le Bhagavad Gita. Alors quand il fait Patan, il va faire Patan, il doit expliquer aux autres. C'est son travail. Yajan, Yajan, veut dire qu'il connaît c'est quoi, comment faire les sacrifices, et il doit officier les sacrifices également. Et Dan, Parigraha. Alors, Dan veut dire qu'il reçoit de la charité, des donations, et il fait aussi des donations. Ça, c'est le travail spécifique du Brahman. Et d'ailleurs, Krishna, lui, l'explique, et c'est un verset qu'on lit tous les jours, d'ailleurs, les Vaishnavas, quand on fait l'offrande à Krishna, on dit Namo Brahmanya Devaya Go Brahmanitaya Jagataya Krishnaya Govindaya Namo Namah. C'est un verset qui vient de Vishnu Purana. Et là-dedans, on explique qu'il y a deux entités très chères à Krishna. Donc, c'est la vache et les brahmanes. Ils sont très chers. Et là, c'est ça qu'on va apprendre un passe-temps du Srimad Bhagavatam, du 10e chant. Et que là, Krishna, à travers de ce passe-temps, nous donne des instructions. Il donne des instructions à qui? À surtout à ses descendants, quand il était à Dwarka. Alors, il y avait la dynastie Yadus, on connaît, et Yadav. Alors, il les donnait des instructions. Parce qu'il y a des fois, quand on connaît, que nous sommes connectés à une personnalité très exaltée ou supérieure dans la société, quand Krishna était là, à Dwarka, alors il avait tendance à développer un peu d'arrogance et un peu de tout. Alors, il a donné une leçon à ses propres familles et aussi à nous. Alors, il y avait un roi qui s'appelait le roi Nrig. Nrig, N-R avec un point au bas, G-A. Le roi Nrig. Alors, ici aussi, qu'on doit comprendre que cette leçon, c'est aussi, dans une leçon, il y a plusieurs leçons. Alors, les gens qui sont trop, comme si, inclinés vers, comme si, les sacrifices védiques, pour faire un peu ce qu'on appelle les karmakans, qui font des systèmes qui est là, oui, c'est déjà dans les Vedas. Mais, les dévots, nous ne faisons pas les karmakans. Les karmakans, parce que ça vous attache dans ce monde matériel. Et pour les karmakandi, il n'y a pas de libération. Hein. Malheureusement, c'est pas ça. Eux, ils peuvent avoir comme si promu à des planètes supérieures, plus élevées,
Et au plus, ils iront au paradis. Mais là-bas, quand tout le crédit spirituel, les activités pieuses qu'ils ont fait, quand ça se termine, ils retournent dans ce monde matériel. Alors, est-ce qu'on veut retourner, Ingrid Prabhu? On veut retourner dans ce monde matériel ou vous voulez aller chez Krishna? Vous voulez rester dans ce monde ou vous voulez partir? C'est pas ça, allez-y. Non, je vous demande, posez une question là. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ah, je comprends. Et Léon, c'est pas vous? Oui. Qu'est-ce que vous voulez faire vous? Vous voulez devenir Kalma Kandi? Non, pas du tout. On veut aller chez Krishna. Oui. C'est ça. Alors, déjà dedans, ici, le roi Nick était un roi déjà très pieux. Il faisait toujours de la charité. Il était si riche et il faisait, comme la dernière fois, on parlait un peu des enfers, t'as dit, vous vous souvenez? Il faisait tant de gaudan, c'est-à-dire qu'il donnait en donation quoi? Des vaches. À qui? À des brahmanes. À des brahmanes. Ok? Il donnait. Il faisait beaucoup de donations, de la charité. Il donnait beaucoup de vaches, mais pas une ou deux vaches, pas des centaines, des milliers de vaches qu'il donnait. Il était si opulent, si riche. Mais toutes ces activités étaient comme si considérées comme des activités pieuses. Ce n'était pas considéré comme des activités que les Vaishnavas font. Parce que lui, il faisait tout cela parce qu'il avait la connaissance védique. Mais il n'était pas dévot. Alors il ne faisait que des activités pieuses. Alors, il faisait beaucoup de donations et il prenait charge des brahmanes de la société et tout. Mais un beau jour, c'est ça qui arrive qu'il avait déjà fait de la charité, il avait déjà donné aux brahmanes tout, des vaches et des vêtements, de l'or et toutes les choses qui étaient importantes. Mais n'oubliez pas, on a dit que les brahmanes font quoi eux? Malgré qu'ils ont toutes ces choses-là, ils ne votent pas. Ils ne votent pas. Et eux, ils vont faire quoi? Ils vont refaire de la donation. C'est ça. Un travail de brahmanes, c'est ça, on a dit. Il lit, il fait comprendre les autres, il connaît c'est quoi les yagnas, et il officie les yagnas, et il accepte de la charité, et il fait aussi de la charité. Alors, tous ces brahmanes-là, quand avec eux, il avait tant de vaches, tant de vêtements, tant de l'or et tout. Alors eux, en retour, ils faisaient des donations. Un brahman doit juste ce qui est important pour qu'il puisse vivre. Il ne doit pas plus que ça. Les brahmanes ne vivent pas dans l'opulence. Alors c'est un peu des qualités, les brahmanes. Alors, il donnait, il faisait tant de donations, mais arrivé un jour qu'il a fait des donations, et parmi les vaches qu'il avait fait des donations, l'arrangement de Krishna, bien sûr, mais un des vaches qui est retourné dans l'étable chez lui. Alors il ne savait pas. Il était quoi? Ivre. Il ne connaît pas. Alors, il avait déjà fait de la chambre à Brahman. Et la vache a quitté comme si la compagnie des autres vaches est retournée dans l'étable chez le roi. Et un autre jour, ça lui a pu. Le roi Nrik refait une donation à un autre brahman. Alors il a fait donation des vaches encore. Et parmi là, la vache qui a été donnée au premier brahman a été donnée au deuxième brahman. Alors quand le deuxième brahman prenait toutes ses vaches et toutes ses donations, il partait très content. Le premier brahman dit hey, mais ça, cette vache, c'est à moi. Cette vache, c'est à moi. Mais le deuxième brahman dit non, mais là, le roi m'a fait en charité cette vache-là. Mais comment tu peux dire que c'est ta vache? Il dit non, c'était moi, je le connais, le roi m'avait donné cette vache. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Discussion entre les deux brahmanes. Mais déjà, les brahmanes ne doivent pas discuter. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'on fait? Alors on dit allons, on va résoudre ce problème. Ils sont allés chez le roi Nrik. Et on dit au roi, roi, voilà. Tu m'avais déjà donné, le premier brahman dit, tu m'avais déjà donné cette vache, mais comment est-ce possible que tu as redonné cette vache, encore une fois, à un autre brahman? C'est l'offense, tu n'as pas de droit. Et là, ici, que Krishna explique à des gens. Mais là, alors,
Le roi dit, mais ne vous discutez pas, pour une vache, vous discutez. Je vous donne chacun 100 000 vaches à la place de cette vache. Oubliez tout, je vous donne 100 000 vaches chacun contre cette vache. Les Brahmanes disent non. Alors Brahman 1 va de l'autre côté, en colère. Brahman 2 va à la maison, en colère. Les deux sont en colère, ils partent. Mais le roi n'avait pas de solution. Alors ils sont partis, en colère. Et dans ce cas-là, finalement, qu'est-ce qui se passe? Le roi continue sa vie, il reste. Arrive un moment, il doit quitter son corps. Donc quand il quitte son corps, toujours qu'est-ce qui se passe? Il est venu, on l'a emmené où? Là, chez Yamraj, le dieu de la mort. Alors Yamraj, lui, c'est ça, il va faire le jugement. Alors Yamraj connaissait que le roi Henri faisait beaucoup des actions pures. Mais il avait aussi fait des actions qui n'étaient pas aussi correctes. Alors il a demandé, qu'est-ce que tu veux savoir? Tu veux, il y a deux résultats là. Tu veux les fruits des actions que tu as fait bien, des actions pieuses, ou le contraire? Mais la projection, c'est quoi? Quand on dit là, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce que vous voulez entendre? La projection, qu'est-ce que les gens disent? Mais donnez-moi la mauvaise nouvelle et puis après, on va pour la bonne nouvelle. C'est un peu, la projection, c'est un peu comme ça. C'était comme ça ce que lui, il a pensé. Que, au moins, je connais les résultats des actions impures que j'ai faites, qui n'étaient pas bonnes. Alors, on va voir les résultats. Et puis après, je vais jouir ce qui est bon. Alors, Jean-Blanc a dit, mais voilà. Si tu veux jouir le résultat des actions impures, ben, prochaine naissance, tu vois, le corps d'un lézard. Et là, il devient lézard. Alors là, il devient lézard. Et qui va le délivrer? Le chien. Alors, dans ce cas, arrive un moment, toujours les arrangements. Un beau jour, les enfants. On connaît les enfants de Krishna, Samba et tout, en train de jouer, il y a Charu, Charu Deshna, et tout le monde, Charu Deshna Maharaj, on devient Charu, le fils de Krishna. Alors, eux, il y avait d'autres enfants encore, Gad et tout, ils sont en train de jouer. Ils sont en train de jouer dans la forêt, pareil, comme Krishna jouait dans la forêt. Mais ils sont en train de jouer, ils ont eu soif. Alors, ils sont allés chercher de l'eau, mais il n'y avait pas de rivière, mais ils ont vu qu'il y avait un puits où possiblement il y aurait de l'eau. Alors, quand ils sont allés là-bas, ils ont vu, ils ont cherché de l'eau, il n'y avait pas de l'eau. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu une entité extraordinaire qu'on n'avait jamais vue. Un gros lézard. Et vous savez, c'était qui déjà? C'était le roi Nekri. Alors, ils l'ont essayé avec compassion. Ils ont vu que cet lézard, le lézard était là en train de souffrir dans ce puits. On ne connaît pas pendant plusieurs années qu'il était là. Alors, ils ont essayé de le retirer, ils ont essayé toutes méthodes de le retirer, mais ils n'ont pas pu. Alors, ils sont retournés à la maison, ils ont allé vers, voir le père, et ils ont dit à Krishna, père, père, voilà, on a vu quelque chose, et on ne connaît pas c'est quoi. Parce que les enfants ne savaient pas que cette chose c'est quoi. Alors, Krishna dit, ok, mais emmenez-moi là-bas, je vais voir. Et quand il partait, il a dit à toute sa famille, mais venez ensemble, on va voir, il a quelque chose. Les enfants ont vu, on voudrait voir qu'est-ce qu'ils ont vu comme ça. Mais Krishna, lui, voulait leur donner une bonne leçon. Donc, quand Krishna arrive, et il connaît tout déjà, alors il voit dans le puits, là, sous les arbres. Alors Krishna lui tend la main, avec la main gauche, et facilement il le retire en dehors de ce puits. Et avec le contact que Krishna a eu du lézard, c'était quoi déjà? La libération. Comme on a fait pendant un mois. On a chanté le Damodar Shtaka, mais on connaît que les deux fils de Kuvel, eux aussi, ont été libérés par Krishna. Eux aussi, surtout par Krishna qui a délivré les deux, qui étaient devenus des hommes. Mais ici, Krishna les a touchés. Aussitôt que Krishna a touché les hommes là, de libération. Et il a eu un très joli corps, mais pas un corps spirituel, mais il a eu un corps comme un Deva, comme un demi-dieu. Il y avait ce corps très joli, couronné, comme si on dit, alors, beaucoup d'effulgence et tout. Et on se retrouve, ça va? Oui, ça va. Okay. Alors, quand il a eu ce corps, finalement, et il a commencé à faire ses obéissances à Krishna, et remercier Krishna qu'il l'a libéré, et il a glorifié Krishna que vous êtes Dieu suprême,
très compassionné. Et puis là, Krishna me demande, ben, Krishna connaît l'histoire. Et là, vous savez déjà l'histoire, c'est quoi? Alors Krishna me demande, ben, t'es qui toi? T'es qui? Que tu étais là comme un lézard, ben, comment tu es devenu un lézard? Raconte-moi un peu ta vie passée un peu. Alors, avec, comme si l'énergie et la force et mystique de Krishna, il a pu, comme si, avoir le souvenir de son ancienne naissance, là. Et puis là, il a dit que lui était un roi très pieux, il faisait toujours de la charité, beaucoup de donations aux brahmanes, et malheureusement, à cause de cet incident, il est devenu un lézard. Même qu'il. Qu'est-ce que vous voyez, vous avez vous? Est-ce que ça revient de cas? Parce que, qu'est-ce qui s'est passé ici? Le roi ne savait pas que la vache est retournée dans l'écurie ou l'étable chez lui. Il savait. Il ne savait pas. Et malgré ça, à cause de cette action, il a dû assumer le corps dans les âmes. Et c'est alors qu'on a expliqué tout cela que là, maintenant, Krishna dit, il lui dit, ben voilà, et que à travers cette situation-là, il commence à expliquer à ses familles que voyez déjà que ne jamais, jamais faire offense envers les brahmanes. Parce que Krishna dit encore une fois que les deux entités très chères à lui, ce sont les vaches et les brahmanes. Alors, il dit que voilà, cette personne qui était un roi est devenue quoi? Un lézard. Juste en faisant quelque chose inconsciemment. C'était comme si c'était une offense contre un. Pas un, mais il y avait deux brahmanes là qui étaient en couleur qui sont partis. Et là, Krishna commence à expliquer que jamais, jamais usurper ce que un brahman a. Peu importe qu'un brahman a, ne jamais prendre. Imaginez-vous les personnes, eux, qui. Par exemple, je prends le gouvernement, ils sont la raison. Ils prennent du taxe. Oui, non. Ils prennent. Mais là, si, disons, quelqu'un, ils sont en train de l'usurper aussi en même temps. Et dans la société, s'il y a des brahmanes en train de l'usurper, qu'est-ce qui va passer? Dans quelle situation ces personnes vont être plus tard? C'est pas facile. Et Krishna aussi explique que si quelqu'un regarde d'une mauvaise façon les biens qu'un brahman a, juste en pensant de comme si voler ces choses-là, ces trois prochaines générations vont souffrir. Juste en pensant. Et maintenant, celui qui met ses pensées en action veut dire qu'il va faire quoi là? Il va voler un brahman. Qu'est-ce qui se passe ici? Et c'est ça à quoi on fait référence. Lui, cette personne qui vole un brahman, 10 générations qui sont en haut de lui, ses ancêtres, et les 10 générations de descendants, ces 10 générations, 20 générations vont souffrir. Vont souffrir beaucoup. Souffrir. Et d'ailleurs, mais de l'autre côté, Krishna explique, mais un Vaishnav, si dans une famille vous avez un Vaishnav, lui, il libère 10 générations de ses ancêtres et 10 générations de ses descendants. Et c'est là exactement la référence là. Dans le passe-temps du roi. On a déjà fait référence, on connaît ça, on entend plus de fois que si on devient Vaishnava, on libère les ancêtres et les descendants. Déjà pour l'enquête. Toujours, on est dans la présence de Krishna, oui. On va libérer définitivement nos parents. Oui, les parents, les ancêtres qui sont là. C'est pour cela qu'on dit ne pas perdre de temps d'aller faire des prières pour eux. Déjà, quand vous devenez dévot, vous les avez déjà libérés une bonne partie. Et plus vous devenez pur, plus ils sont libérés. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, ah, tu connais, il y a des fois, j'ai contact avec des esprits, des ancêtres qui viennent me parler et tout. Mais, parce que eux, ils voient que tu as une possibilité de devenir dévot. D'ailleurs, c'est ça un peu que j'ai prêché avec Jasmin Prabhu qui était venu hier. Mais il a compris que non, mais c'est ça un signe que je dois faire là, prendre la vie dévotionnelle. Et c'est là qu'il a pris mon guide. En plus, et puis il m'a dit qu'il va commencer à faire ses 16 tours tous les jours. Mais c'est ça. Quand nous avons, si nos ancêtres nous contactent d'une façon, bon, et pas tous les gens qui ont cette capacité de communiquer, d'avoir la communication des ancêtres, mais il dit non, il reçoit. Mais voilà, c'est un signe parce qu'il voit que tu as la possibilité de le libérer.
Alors voilà un peu comment un Vaishnava peut libérer ses ancêtres et aussi ses descendants. Et là, maintenant, Krishna lui explique, il donne encore une leçon à sa famille. Il dit, mais voilà, ne jamais, parce que Krishna, lui, il a assumé quel rôle là quand il était à Dwarka? Il a assumé le rôle d'un kshatriya, parce qu'il était roi. Il était le roi de Dwarka. Alors, il n'y a pas que les rois, ce sont quoi? Les kshatriyas. Alors, eux, ils ont tendance à devenir un peu arrogants, il y a des fois. Alors, il donne une leçon, faites attention, vous êtes kshatriya. Et le roi négocié était kshatriya. Et simple erreur qu'il a fait inconsciemment, il a payé comme ça. Mais si vous, vous faites ça consciemment, qu'est-ce qui va se passer? C'est le leçon que Krishna a donné. Et n'oubliez pas que Krishna a assumé différents rôles. Krishna peut assumer n'importe quel rôle. Malgré qu'il dit, lui, il est au-delà de ce système. Je suis immuable. Il dit là, bien que je sois le créateur, je demeure non agissant quand je suis immuable. Il n'est pas affecté par ce système. Mais si on voit par exemple quand Krishna a fait le rôle de Vaman, il est devenu comme un Brahman. Il a assumé le rôle de Brahman. Quand il est venu dans la forme de Ram, il était Kshatriya. Il tue les deux. Et quand il est venu comme Krishna, dans la forme de Krishna même, Krishna était quoi? Il était Vaishya. Prenez quoi? C'est un Vaishya fait quoi? On dit Go Krishi, c'est-à-dire la culture et protéger les vaches. Go Raksha. C'est ça qu'il faisait. Alors Krishna, d'ailleurs, de son passant, il a assumé beaucoup de rôles. Comme enfant, il était quoi? Déjà Vaishya dans la famille de Yashoda et Nanda Maharaj. Mais quand il est parti à Dwarka, il a assumé le rôle de roi. Il a assumé le rôle de quoi? De Kshatriya. Alors Krishna peut assumer n'importe quel rôle de n'importe quelle forme. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut, il fait ses passe-temps. Et vous voyez déjà le passe-temps qu'il a fait dans le passe-temps de Nick. Et il a donné, par libération aussi, mais il a donné quoi? Il a eu le fond de demi-dieu. Parce que le roi Nick faisait quoi finalement? Il faisait que des activités pieuses. Il n'était pas dévot. Mais à cause de cette activité pieuse, il a été promu au paradis. Mais les gens qui sont au paradis, même les demi-dieux, eux, ils n'ont pas accès à Vaikuntha. Et on dit que même les devas, ils peuvent avoir darshan de Krishna face à face. Mais ils n'ont pas accès à Vaikuntha. C'est que je ne vais pas l'expliquer dans le passe-temps. C'est déjà là dans le livre de Krishna que vous pouvez lire, le passe-temps du roi Nrig. Alors, beaucoup de choses que je ne vais pas l'expliquer là. Mais je voulais juste mettre ça devant vous un peu, que comment c'est. Alors, Krishna peut venir assumer n'importe quel rôle, mais pour lui, les deux entités qu'il aime sont très chères, ce sont les vaches et les brahmanes. Et au-delà de ça, les Vaishnavas. Vous devez comprendre que le système est là, n'importe qui peut devenir Vaishnava. Vous devenez Vaishnava, c'est suffisant. Mais des fois, vous aussi, vous voyez, c'est la guerre, comme s'ils déclaraient comme des dévots. Non, je veux devenir Brahman, je veux devenir Brahman, je veux devenir. Mais est-ce que vous avez des qualités de devenir Brahman? C'est ça qu'on doit comprendre. Le Brahman a des qualités. Est-ce que vous avez le temps de faire patran patran, c'est-à-dire de lire vous-même, trouver le temps d'asseoir, de lire, et en même temps de faire comprendre ce message aux autres? Ce n'est pas de lire n'importe quoi, mais de lire les Shastras. Les scriptures basiques, le lire, le Shrimad Bhagavatam, le Bhagavad Gita, le lire, et de connaître et en même temps de transmettre ce message aux autres. Patan, patan, yajan, yajan, c'est connaître c'est quoi les yajnas et aussi officier des yajnas. Et puis on a dit, dan, alors accepter les donations, quand on donne des donations, et quand vous avez des donations, on peut mettre dans la poche pour s'amuser, non? C'est servir de ces donations. Et donc, il faut redonner ça dans des autres projets pour Krishna. C'est ça que tout le temps, tu n'as pas dit.
ne veux pas dire disait, mais dit. Je ne veux pas, il nous parle toujours, il nous dit à travers ce livre que quand quelqu'un fait une donation, donnez tout le temps des donations, faites des donations à des personnes qui connaissent Krishna. Parce que ces personnes-là, quand ils auront ces donations-là, ils vont les servir dans les services de Krishna. D'ailleurs, c'est que Dandi Prabhu, Dionce Prabhu, Dandi Prabhu, Nazim Matadi, vous tous sont en train de faire. Tout ce que vous mettez l'effort, partager, de faire tous ces services vraiment extraordinaires à la Réunion, hein, pour la conscience de Krishna, pour propager. Mais comme je vous dis, la réponse vraiment, vraiment sera. Vous ne pouvez pas imaginer la réponse. Quand je vois que une petite Prabhu m'arrive à cet âge, qu'il souffre déjà, mais il est toujours là, à supporter, à donner, à faire son part, ben, c'est là. C'est déjà la garantie que Krishna a dit que vous avez soumis à lui. Mais il prend compte. Il prend compte de vous. Il prend soin de vous. De Krishna. C'est ça que Krishna donne toujours la garantie. Que pour mon dévot, ce qu'il a, je préserve, et ce qu'il n'en a pas, je le donne. Je fais tout pour le fournir, ce qu'il en manque. Ok, bravo, pour aujourd'hui. Alors, si vous avez des questions ou quelque chose, des suggestions, quelque chose à ajouter de ce qu'on a parlé, parce que je pense que la situation reflète un peu ce que vous expérimentez un peu à la Réunion et tout. Bravo, dernier livre, vous avez quelque chose à ajouter? Vous voulez dire quelque chose? Pas spécialement. Qu'est-ce que vous avez appris de aujourd'hui, de ce passe-temps et du verset qu'on a trouvé? Non, moi je connaissais déjà un peu le Vanasham Dharma. Ouais. Après, oui, pour les brahmanes, j'ai vu aussi des passe-temps où des brahmanes sont enfoncés par des personnes comme Anigriva et Nanakuvara. Ouais. Qui sont enfoncés à un brahman qui se retrouvait en malédiction. Donc, oui, c'est important de respecter les brahmanes. Et c'est aussi important de ne pas se prendre pour un brahman quand on n'est pas un brahman. C'est important. Ouais. Non, mais on peut toujours, comme on dit, c'est ça vient ce truc qu'on dit. En fonction des trois goulins et des activités qui s'y attachent, chaque personne est attirée par un certain type d'activité. Et c'est d'après cette attraction que vous comprenez que cette personne doit fonctionner. Mais là, il y a quelque chose qu'on dit, bon, prendre le Djaneb, il y a du Opavit, ce qu'on dit, ça c'est quelque chose d'autre. Toutes les trois classes peuvent prendre ça. Mais les Shudras ne le prennent pas. Par exemple, un Brahman, il est obligatoirement d'avoir son Djaneb. Il y a du Opavit, samskar qu'on appelle. Même un Vaishya et un Kshatriya et un Vaishya aussi font ce Yagopavitra samskar. C'est là pour eux. C'est ça pour eux. Mais ça ne veut pas dire que quand vous avez un Djaneb, vous devez rentrer dans ces activités qu'un Brahman est supposé de faire. C'est pas vrai. Ça, c'est déjà comme si c'est votre deuxième naissance. On appelle ça une deuxième naissance. Ça donne aussi. On appelle ça Dwidge, deuxième naissance. Ouais, première naissance, c'est votre mère biologique qui vous donne. Première naissance. Et deuxième naissance, c'est votre mère spirituelle quand il vous donne le Brahman Diksha. On appelle ça le Yagyopavitra. Yagyopavitra, on appelle ça une purification. Mais c'est là. Mais il y a des gens qui savent, Kshatriya, il a son Yagyopavitra. Les Pandavas, il avait le Djaneb. Mais il ne faisait pas des activités qui étaient destinées aux Brahman. Ils faisaient l'activité de Kshatriya. Quand on voyait que Arjuna avait son Djaneb, il avait fait le système du Yagyopavitra. Mais il tuait. Il faisait ses activités d'après les activités qui rattachent à les trois goulins. C'est ça. C'est ça que Krishna m'a dit, non, ne te fais pas, tu n'as pas le droit de devenir compassionné à toi. Tu n'as pas le droit. Toi, tu es un soldat, tu es un guerrier. Ton travail, c'est de tuer. C'est des démons qui sont de l'autre côté.
Je vois un peu qu'on doit comprendre et prendre des leçons de ces choses. Alors, j'ai bien compris la différence, hein, que on prend, on devient duit, la deuxième naissance, à partir du maître spirituel, il nous donne le Gayatri Mantra et tout. On le fait. Mais d'après la nature qu'on a, et pourquoi on dit par exemple, les Shudras, eux, ils ne font pas le Yoga Pavitra Samskara, parce que le Yoga Pavitra, c'est quelque chose qui est sacré, c'est Vishnu, c'est Krishna. Alors, on ne critique pas, hein, ce n'est pas une critique, mais les Shudras, ils sont là pour assister ces trois classes qui sont là déjà. Ils assistent le Brahman, ils assistent le Kshatriya, ils assistent le Vaishya. Ils sont là pour aider, toujours, pour assister. Alors maintenant, demain, il y a les gens qui sont là pour venir dans les camions de municipalité, là, pour prendre tous les ordures et tout. Mais ils ne peuvent pas mettre un djaneb, mais ils font ce travail. Parce que c'est impur. Même quand quelqu'un qui, un Brahman, ou quelqu'un qui a fait son yoga pavitra, quand il rentre, il va aller aux toilettes, il doit retirer son djaneb et mettre là, dans l'oreille. Et puis aller faire ses besoins et venir. Parce que c'est Vishnu, ça représente Vishnu. Et là, l'oreille droite, c'est là que vous entendez tous les mantras. Ça passe. Votre maître spirituel vous donne le Gayatri Mantra dans l'oreille droite. Tous les mantras que vous prenez, c'est à travers l'oreille droite. L'oreille droite, c'est là, il représente le Védas, la pureté. Alors c'est là qu'on met le Dhyana, une place pure, et puis là, vous faites tout. Mais si quelqu'un sait, c'est ça pour les raisons pourquoi. C'est pas conseillable à des personnes qui font des travaux de ce niveau. Imaginez-vous quelqu'un qui est là pour nettoyer les toilettes, il est là toujours en perpétuité, toujours nettoyer les toilettes. Mais si vous vous donnez un dîner, mais c'est l'offense. C'est pour cela qu'on ne conseille pas à ces gens de faire du yoga pavitra samskara. Mais Krishna est pour tout. Il est possible qu'il n'a pas son yoga pavitra, il n'a pas son dîner, mais il connaît Krishna. Il chante le Saint-Nom. Vous voyez, c'est comme ça. Voilà, sinon, Matazine, vous avez quelque chose à ajouter? Une question ou quelque chose que vous voulez ajouter? Vous voulez dire quelque chose? Ça va? Et Nadia Kubo? Ça va? Alors, c'est ça, bon, je pense. On a fait une place d'environ 45 minutes, Kubo. Et Jai Guru Srila Prabhupada ki, Grantara Srimad Bhagavatam ki, Grantara Srimad Bhagavatam ki, Jai Guru Prabhupada 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 ki, Jai Guru